Hello guys, welcome back to the Darkest Dungeon. Eh ouais, je le fais bien, hein. Non, bienvenue dans Darkest Dungeon en français. Oui, parce que je suis français, donc je parle français. Et surtout que je ne sais pas parler anglais, voilà. C'est dit, c'est fait. Et aujourd'hui, nous allons déjà mettre Kev Adams, Philippe, Giovanni. Et c'est tout? C'est tout? Ouais, c'est tout, elle, ça va. Dans la taverne et à prier, hein. Donc toi, Philippe, tu vas jouer au jeu. Vas-y, va jouer au jeu. Giovanni. Ah ouais, j'aurais plus... Dans la maison close, allez, Giovanni. De toute façon, toutes les femmes sont à toi, ici. Et Kev Adams va méditer un peu. Lâche-nous les baskets. Hein. Voilà, ensuite, on va recruter du monde et... alors... Bon, les deux là, je veux pas d'autres Kev Adams, hein, ça me suffit un seul Kev Adams. On va prendre lui, on va le renommer direct. La vigueur de la jeunesse l'a certes quitté, mais ses yeux affichent l'expérience d'une centaine de campagnes. Ça se voit. ça se voit. Et on va le renommer. Attention, gros spoiler Walking Dead. Vous l'aurez deviné. Donc dans 3, 2, 1. Oui, je vais l'appeler Carl. Parce que oui, c'est Carl vieux. Voilà. Ben ouais, écoutez, il ressemble à ça quand il sera vieux. Et ouais. Et dégaineur. Hein? Ouais, il a peur dans la futaille. Mais il résiste au saignement. Ben ouais, bah, écoutez. Hein. Voilà, on va l'appeler Carl. C'est très bien ça, Carl. Ensuite, nous avons... Ah, nous avons notre petit Iron Man. Donc on va l'appeler Tony Stark. Oui, oui, c'est Iron Man. Ouais, c'est pas un robot, je sais, mais bon... Tony Stark. Ah, là on est bon, là. Là on est bon. Et on va envoyer ces deux petits genoux, hein. On va les envoyer, bah, du coup, dans la crique ou la tanière, comme vous voulez. Mais en fait, je vous laisse pas vraiment le choix. Parce que, bah, écoutez, je ne peux pas voir vos commentaires en tournant la vidéo, hein, c'est normal. On va faire la crique. Allez, c'est les hommes poissons, c'est une courte, terminer 100% des combats, et là, c'est quoi? Ouais, 100% des combats aussi. On va faire la crique. Toi, tu dégages. On va mettre Tony Stark. Alors, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu aimes bien être en deuxième place. Allez, on va te mettre en deuxième place. Qu'est-ce que t'as? Tranché, taillé, purge, repousse de 3, supprime toutes les dépouilles. C'est pas mal. Soin de stress plus 9. Ah, ça, c'est pas mal. Solennité, soigne 6 PV. Ah, j'aurais préféré ça. Je vais faire un petit tour vite fait, mais on va d'abord placer les gens. Toi, je vais te mettre en tant que tank, hein, évidemment. On va mettre Triss en heal. Ici. Et là, j'ai le choix, l'épouvantail. Ah, je mettrais bien Hisoka, même s'il est déjà pas mal stressé, quand même. Et ouais, on va pas mettre Triss, on va mettre Sarah Connors. Je préfère. Puisque... Qu'est-ce qu'elle a de mieux, Triss, en fait? Elle a ça de mieux. Et ça, c'est quoi? Soigne 3 points de vie. Ah, ça attaque et ça se soigne soi-même. Ah ouais. Ah ouais. Dégage. On va te mettre Triss, allez. Voilà. Juste avant ça, j'aimerais faire un petit tour dans la guilde. C'est là. Hein. Toi, est-ce que c'est tout? Toi, t'as quoi? Ouais, châtiment... Non, toi, t'as que de la merde. Ouais, allez, on te dégage. Tony Stark, voyons voir Tony Stark. Alors, toi, c'est quoi que je voulais enlever? C'est solennité. Voilà, je voulais rajouter solennité. Réorganiser les capacités de combat. Les héros peuvent uniquement posséder 4 capacités de combatives. Quatre capacités de combat actives. Et non pas combatives. J'oublie des mots. Des lettres. Ouais, vous m'avez compris. En même temps. Active et désactive les capacités pour changer ton chargement et regarde comment cela modifie la force de position de ce personnage dans l'affichage ci-dessous. Très bien.
se préparer. Donc là, nous avons notre équipe. Toi, par contre, on va te mettre du coup solennité, on va t'enlever intimité. Ça a l'air d'être de la merde. Où ça? Purge ou intimidé? Moins 20% de dégâts. Intimidé, c'est pas mal, hein. Je vais enlever purge. Voilà, et je vais rajouter ça. Bah, parfait tout ça. Allez, let's go. Oui, incroyable. Non mais toi t'es en train de boire, laisse-moi tranquille. Enfin t'es en train de baiser même. Alors, c'est une courte, donc on va prendre... allez, 10 torches. 8 bouffes, je pense que ça suffira. On va prendre une pelle, une clé, deux herbes. Allez, on s'en fout, on est blindé. Un anti-venin, un comme ça. Et let's go. Allez, c'est parti! Ces cavernes imprégnées de sel regorgent de cauchemars pélagiques. Il faut les nettoyer. Je n'ai aucune idée de ce que veut dire pélagique. L'adjectif pélagique dérive de pélagos, qui sont des organismes aquatiques qui occupent une colonne d'eau à la profondeur la plus proche de la surface. Cet adjectif précise qu'une espèce vit en pleine mer. En gros, ce sont des poissons. Ah donc nous nous retrouvons ici. Ah, on a un pattern correct cette fois-ci. On a un pattern correct et ça me plaît. Donc on va partir là, on a direct un petit trésor qui est... pas du tout, il est vide. Ben bravo. Un petit piège aussi directement. Donc 50%, c'est pas toi qui as désarmé, c'est pas toi. Oui, mais ça va être Hisoka. Allez, désarme-moi ça. Désarmé, oui, c'est réussi. Ah, bas-relief. Une sculpture ancienne énigmatique aux implications vertigineuses. On va l'ouvrir comme ça. Un message, un impact durable sur le héros. Pique-assiette des tanières, ça veut dire quoi ça? 10 probas de repérage dans les tanières. Ah, c'est bien. C'est une bonne manie. Un peu de lumière, parce qu'il fait nuit, là. Fait pas très lumineux. Et oh, dégueulasse la baleine. Eh, on pourrait croire que c'est son vagin, hein. Salut. Ouais, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Corail fantomatique. Est-ce qu'il faudrait utiliser quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Ah, j'ai 3 herbes médicinales, j'ai pas fait gaffe. Bah tiens, on va en utiliser une pour voir ce que ça fait. Ah, c'est ça! Calme, manie, supprimé. Ah, pas mal ça. Je sais pas ce que... quelle manie ça a supprimé, puisque j'ai pas fait gaffe, mais c'est pas mal. Un autre marin? Une autre infortune. On s'en fout, on dégage tout. Hop! On met de la lumière, on se casse. Un bateau, y a rien, pas d'ennemis. Tranquille, hein, pour l'instant. Pour l'instant, tout est tranquille. Ah, commence à stresser. Il se dit, tiens, il n'y a pas d'ennemis. Je vais manger. Non! Fuck! J'ai pas pris d'autre pelle. Bah, dégage. Hein. Eh ouais, on prend des dégâts et du stress, mais bon. Sans outils en fer, tu dois te reposer sur la chair et une volonté à toute épreuve. Voilà, là, nous avons... voilà. Nous avons gaspillé, enfin, nous avons abîmé nos mains... une richesse incommensurable, ouais. 25 pièces d'or. Merci. Pour 25 pièces d'or, c'est génial. Oh mon dieu. Ah, des ennemis. Oula, ils sont très moches. Poséidon nous en veut, là. Qu'est-ce que c'est? Garde pélagique. 25 points de vie, oh, quand même. Alors. Repousse, étourdir. On va l'étourdir, lui. Je préfère l'étourdir parce qu'il me fait un peu peur, quand même. Ouais. Soin du stress plus 10. Découpage. Non, on va faire saigner les deux là, plutôt. Ah, ça leur fait bien mal en plus. Je préfère 2 à 2 plutôt que 1 à 3. Hein. Pour l'instant, le but c'est de diminuer un peu leur point de vie. Donc. Ah, l'esquive, Karl, bien joué. Les zombies t'ont bien entraîné. Du coup, toi, essaye d'assommer. Lui là, parce qu'il va me stresser, je le sens. Ah, résiste, ah, dommage. Euh...
Ouais. Soin du stress, on s'en fout. Attaque. Lui. Ouh, 11 de dégâts. Alors qu'il a quand même 33% de protection. Hein. 6 points de vie et je lui enlève 2. Bon. C'est quoi comme bonus? Plus 25% de dégâts. Ah oui, quand même. Mais bon, il s'amuse à me stresser. Il s'en bat les couilles des dégâts. Par contre, il va falloir se soigner un moment. Enfin, se soigner le stress plutôt. Du coup, là... On va refaire les deux. Ah putain, je lui ai fait que 1 point de dégâts. Donc, je vais pas le tuer, malheureusement. Par contre, lui, il est mort. Du coup, ce serait une bonne idée de le tuer. Voilà. Comme ça, il est foutu. Et moi, je regagne un peu de points de vie. On va en profiter pour assommer celui-là. Voilà. Étourdi, ça c'est bien. Et toi, tu vas soigner ton stress un peu. Ouais, soigne ton stress. Alléluia. 51 de stress. J'ai pas envie que... Enfin, c'est le début du donjon. J'ai pas trop envie qu'il soit stressé là direct. Non, mais je viens de me soigner, gars. T'abuses un peu là, non? Et bah toi t'es mort, donc on va plutôt se concentrer sur celui-là. 4 plus 3. Ouais, il lui restera 3 points de vie. Mais il est étourdi, donc c'est bon. Au prochain tour il est mort, nickel. Étourdis-moi celui-là là. Ah, j'ai raté l'esquive. Étourdis-le, j'ai dit. Voilà, il est étourdi. Lui il me fera aucun mal. Toi, soigne-toi ton stress aussi, toujours. Ouais, ouais, continue. Merci. On va utiliser Hisoka pour soigner le stress des autres aussi. Voilà. Joue-moi un peu de mélodie. J'aurais pu l'appeler Jaskier aussi, franchement. Soigne-toi d'abord ton stress à toi, tranquillement. On va prendre notre temps. Je pense pas que je réussirai à l'étourdir, mais on peut tenter le coup. Et ouais, résiste évidemment. Parce qu'il a 40% de résistance. Retente le coup. Ah là, il est étourdi. Allez, on en profite. Oui, soigne-toi ton stress. Vas-y, continue. Hop. Ah, Hisoka, allez. Ah, Hisoka, s'il te plaît. Oui. Baisse encore ton stress, tranquillement. Voilà, on diminue tranquillement, sagement le stress et après on le défonce. Voilà, il est mort. Bon, c'était logique. Hein. Et en plus, un critique, du coup, mon stress diminue. Ça, c'est bon, ça. Ah, déjà terminé? T'es sérieux, là? Je viens de commencer. du coup, cette statue, une étrange présence se fait sentir près de la statue votive. On va lui mettre une eau bénite. Une aura de force, Ben le héros. Ah, un petit bonus. 18% de dégâts jusqu'au camp. Je vous montrerai ça dans un autre épisode. Hein, les moyens et tout ça. Parce que c'est intéressant de voir le système des camps. Et tout le bordel. Ah, des petits murlocs. Je ne sais pas faire le murloc. N'importe quoi. En plus, ça fait plus 6 de torche. C'est pas mal cette attaque. J'aime bien. Du coup... Ah ouais, c'est vraiment un tank, plus 5 esquives, c'est pas mal ça. Alors on va lui enlever un peu de dégâts, histoire... on va se concentrer sur le stress, tranquillement. Ils m'ont pas l'air très féroces. Enfin ouais, quand même 7 points de dégâts. Hein. Ouais, ils font quand même un peu mal. Bon, calmez-vous là, ça y est. Allez, on va s'occuper de lui. 6, il va mourir vite fait. Non. Fais-moi saigner lui, s'il te plaît. Voilà. Oh non, il résiste, combien? Ah ouais, 50% de résistance au saignement, j'avais pas vu. Et ouais, c'est des hommes poissons, ils ont la peau dure. Hein. Enfin, ils ont pas de peau, ils ont une écaille. Du coup, étourdis-moi celui-là. Ben, voilà. Étourdi, nickel. Harponnage. Mine de rien, je perds pas mal de vie, là. Va falloir se calmer, hein. Essaye de me le... Oh non, esquive! J'aurais dû soigner mon...
Mon stress, du coup, essaye de stun lui. Ouais, nickel. 2-2 stun. Fais-moi saigner. En plus, c'est celui. Ah non, il y en a aucun qui saigne, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a aucun qui saigne puisqu'ils sont très résistants. Allez, essaye de le faire saigner quand même. Oui, bien. 3, il lui reste 6 points de vie dans 2 tours, il est mort. Oh, 9 points de dégâts, ça fait mal ça. Augmente ton esquive s'il te plaît. Ah, ça augmente l'esquive de tout le monde. Oh putain, je l'avais pas fait gaffe. Ah mais ça augmente que Pouic. Soigne-moi Karl s'il te plaît. Karl il va mourir. Il a survécu à une invasion de zombies, il va mourir quand même. Du coup. Ah, essaye de me le tuer. Oui, il est mort, nickel. Lui, au prochain tour, il est mort, donc ça sert à rien de l'attaquer. Et je mets la main devant la bouche, du coup, vous m'entendez sûrement très mal. C'est pas très grave. Ah, l'esquive, ça, c'est bien. Et ouais, je suis con, en fait. J'ai dit spoiler, mais du coup, Karl, vous le voyez tout le temps. Donc, le spoiler, il dure tout l'épisode, hein. Bon, je mettrai un avertissement avant, en fait. Je suis con. Bah ouais, les gars... Je peux pas tout prévoir moi non plus hein. Allez, on va essayer de les tuer, c'est bon, j'en ai marre. Saignement, ça c'est bien ça. Par contre, soigne-moi à Karl, s'il te plaît. Ah, critique de 8, ça c'est pas mal. Voilà, et bah vas-y, essaye de me le stun. Nickel, combien? 3, il a 5 points de vie, il est mort. Il est foutu. Du coup, soigne ton stress un peu. Regardez, ça diminue, j'en ai moins que quand j'ai commencé. Voilà. Soigne le stress de Triss. Ah oui, merci. Et stun-moi celui-là. On va jouer avec eux un peu. Voilà, nickel. C'est chiant, hein, ouais, je sais, mais bon... Oh, critique de 10. Je fais de plus en plus gros. Je fais de plus en... Je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Hein, quoi? Ah, j'ai jamais été très fort en maths. Oui. Non, tu soignes soigne ton stress aussi. Allez hop. Plus que 19. Nickel. Soigne le stress de Triss encore. Oui, bien. Ah ben ouais, merde, je suis con. Et lui, j'aurais dû le tuer. Oh, lui, il est mort. Lui, il est foutu. Allez, tue-le. 14 points de dégâts. Pouh. Eh, hey, mais c'est un monstre. Eh, hey, Tony Stark, calme-toi. Même sans son armure, ça... Ah, qu'est-ce que c'est? Carcasse de poisson, une créature marine boursouflée s'est échouée. Qu'a-t-elle bien pu manger? On va lui mettre une herbe médicinale parce que ça sent la maladie. Hein. Les tripes sont nettoyées, permettant... Ouh, mon Dieu. Et en plus, je récolte une herbe médicinale. C'est génial, ça. J'ai eu de la bouffe, j'ai eu des sous, j'ai tout eu. Ouais, sans ça, je suis content. Allez, hop. Oui. Du coup, on va où, là? Ah oui, malheureusement, on voit pas la souris. Hein. Je sais pas comment on fait pour la voir. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me bloque, mais bon. Bah ouais, on va faire demi-tour. Hein. J'ai que ça à foutre. Allez, avancez. Eh, les flemmards, là. Oh, j'avais pas vu le piège. Oh là là. Oh la merde, je l'ai vu au dernier moment. Eh ben ouais. Désolé. Bah ouais, je suis pas concentré. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je me sens pas très bien. Non, pas du tout. Là, il y a un piège et on l'a vu. Hisoka, tu vas me l'ouvrir. Voilà, désarmé. Nickel. Hop, on met de la lumière. Si tu stresses, on va mettre de la lumière. La caisse est vide, pas très intéressant. Et apparemment, il n'y a plus de monstres dans les salles, hein, puisqu'il fallait finir tous les combats dans les salles. Donc, il y a quand même un combat ici, et après, on est tranquille. Le dernier combat. Un coffre ici. Coffre encalaminé. Bon, on va essayer la clé. L'objet n'a aucun effet. Ok, bon, ben, ouvrons-le comme ça, alors. Rien à l'intérieur. Très intéressant, tout ça. Et là, un petit combat, oh, un petit poisson avec deux merdes. Bon, bah, ça va aller vite fait. Allez, occupe-moi. Ah, le poisson, lui aussi, il a 50% de... Bon.
Occupe-moi juste d'un. On va se concentrer sur lui, là. Il va crever, saignement. Sacrifice au dieu. En plus, il va passer en premier. Ah non. Stun-moi quand même lui, parce que lui, il va me faire des incantations stressantes. Il va me gaver. 8 points de vie. Voilà, il passe devant. Tout est calculé. Et là, bam dans ta gueule. Ah ouais, les gars. Tiens, on va, tant qu'à faire, on va stun celui-là. Comme ça, les deux, ils sont stun, nickel. Et là, bah, j'ai plus peur. Hein. En gros, ce jeu est simple, hein, franchement. Eh, mais mes héros, ils vont pas mourir. Vous croyez que j'arriverai à faire mourir mes héros? Ouais, pas du tout, je pense pas. Non. On va... écrase. Ouh, dans les couilles. Et du coup, meurs, toi. Allez, hop, là, 13. Et c'est fini, c'était le dernier combat, donc je ne mourrai pas dans cet épisode. Ah, je sais que vous avez envie de me voir mourir, mais non. Mais non. Encore une carcasse. On sait que c'est l'herbe médicinale, donc on y va. Les tripes sont nettoyées, permettant la fouille. Qu'est-ce que c'est? 20 probabilités à capacité détournement. Ah, ça, c'est pas mal comme objet. Je vais te donner à... C'est qui peut faire des étourdissements? Lui. Je pense que je vais te donner à toi. Voilà. Nickel. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. Un bateau avec un squelette un peu poignardé. Qui a dû faire un énorme choc hein, quand même pour transpercer la coque. Il a dû se manger le crâne vachement violemment. Hein. Et là, il y a le crâne d'un géant. Bon, enfin bref, de toute façon, bah, c'est terminé, je pense. Hein. Quête terminée, hop là. Voilà, on a vu un peu des petits hommes poissons. Et des récompenses assez balèzes, hein, parce que j'ai eu des diamants et tout ça. Attention, attention, attention. 4455, oui, je sais pas compter. Et quelques portraits blasons, ça m'intéresse pas vraiment. Alors, qu'est-ce que t'as eu de beau toi? Rôdeur, plus 10% de dégâts si torche à moins de 26. Ce qui ne sera jamais le cas, j'aime pas trop me battre de nuit. Hein. Même si ça rapporte plus de d'objets, plus de récompenses, il y a aussi plus de combats, donc bof bof. Hein. Plus 15% capacité, ouais. Interdit de maison close. Ah, Hisoka, il est un peu trop exigeant au niveau des femmes. Et Tris est un peu trop exigeant au niveau des hommes. Eh, vous voulez pas faire l'amour tous les deux, là? Je vais... Ah non, vous vous trouvez moche l'un de l'autre? Ok, très bien. Tu connaîtras la portée tragique de mes échecs. Donc très bien, eux, ils se sont soignés un petit peu. Rien de nouveau. Non. Déblocage après, plus de quêtes terminées. Donc ça, ce sera pas tout de suite. Eh bien, c'est terminé, hein. On va voir un peu les objets, on va voir. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Plus 40 résistants à sa maladie. On va la mettre, voilà, à quelqu'un qui... Ah, Docteur La Peste, d'accord. C'est que pour les Docteurs La Peste, c'est eux les Docteurs La Peste? Oui, bah tiens, allez, prends ça. Moins 20% résistance au malice, mais moins 2 esquives. J'aime pas trop, hein, j'aime pas trop. Est-ce que je peux vendre? Oui, je peux vendre. 550, c'est nickel. 15% capacité de soin. Ça, c'est pas mal, ça. On va le mettre à Kev Adams. Tiens, Kev Adams. 30% de résistance au déplacement. 30% pour, probabilité à capacité de déplacement. Ouais. Oh, on va le mettre par défaut à Joe. Ah non, c'est pour qui? Arbalétrier. Allez, on va le mettre par défaut à... À Jackson. Eh, j'aurais dû faire le moonwalk avec elle, je suis con. moins 25% de stress. Oh, c'est pas mal, ça. Ce sera pour Deadpool. Je sens que c'est un mec stressé dans la vie, quand même. Non, non, n'importe quoi, Deadpool, c'est pas du tout un mec stressé. Philippe, par contre, c'est un mec stressé. Enculé! Ouais. Fury. Fury, c'est elle, hein, c'est ça? Oui, Fury. 30% à la capacité de saignement. T'as quoi comme attaque qui pour saigner, je sais pas. On verra. 20% à probabilité d'infection. Ça, c'est pour l'épouvantail.
Voilà, et ça, 10% d'esquive si PV à plus de 75%, moins 6 si PV à plus de 50, à moins de 50. D'accord. Je vais le mettre à Karl. Ça va être un bon tank, lui. Voilà, nickel. Je voulais voir Fury, merci. Tu fais... Ah oui, t'as... Si ça saigne. C'est tout. Et vite 100. Ah bah pas mal. Vraiment intéressant en fait, le plus 30% de probabilité au saignement. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'ai fait tomber quelque chose. bon, l'épisode a duré peut-être un peu moins longtemps que d'habitude. Du coup, j'ai fait un peu du vide. Voilà, j'ai un peu compensé. Mais c'était vraiment inutile, tout ce que j'ai dit à part. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve pour le prochain pour, du coup, ben, la tanière. Et après, on s'attaquera à un petit boss. Et ben, merci à tous. Bisous. Bye bye.